Une fraternisation internationale sur fond de spiritualité, de philosophie. François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. C'est mes assistants, mon député. François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation. Oui, ils disent invitation, mais il n'y a pas que invitation à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un chèque, des centaines d'argent, et qui devrait récupérer dans un compte. Un compte avec différents noms. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça marche. La loge de France n'est qu'une cellule des détournements de fonds. La loge de France n'est qu'une cellule sataniste représentant de Satan Lucifer. Est-ce que vous m'entendez? Pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. Cette émissive, donc, on voit le très respectable grand maître de... L'amitié qui le relie en Afrique, vous savez ce qu'est l'amitié? L'amitié du sang. Le sang africain qu'il tue chaque jour. Du peuple noir en Afrique. C'est ça leur amitié. Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on... Voilà ce malade psychopathe. Il laisse dire Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brazzaville. Mais c'est un psychopathe, un mythomane. Il est psychopathe, mythomane comme vous, Bertrand Cochéry. Ambassadeur, le rat de France de merde. Est-ce que vous entendez? Le tir vous parle. Regardez-moi quand je vous parle. À l'ambassade de France, vous avez des téléphones portables, smartphones, vous avez des tablettes. Pendant que je fais ce direct, vous êtes en train de me regarder. Enfoiré de merde, ambassadeur Bertrand Cochéry, rat de France de merde, au Congo-Brazzaville, là où ce que je suis né. Mais le Congo-Brazzaville, c'est pas votre terre. Le Congo-Brazzaville n'est pas votre terre. C'est enfoiré de merde. C'est mon pays qui a reçu Général de Gaulle. Quand Hitler avait occupé Paris, Général de Gaulle avait fui. Il a abandonné le peuple français. Il est allé se cacher au Congo. Et il a fait du Congo la capitale libre de la France. Toute décision de Paris, Général de Gaulle le prenait au Congo. Mais aujourd'hui, la France de merde a oublié que le Congo était venu au secours de la France. La France aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pas une bonne politique de souveraineté du peuple national, mais elle fait une politique d'un seul clan, la famille d'Nguesso. La famille d'Nguesso des rats, la famille Nguesso des cafards, la famille Nguesso de la merde, qui font baver le peuple congolais. Ils refusent que le peuple congolais ait de l'eau potable, des hôpitaux de ce nom. En 2005, quand j'étais opéré, une jeune fille congolaise qui avait accouché des jumeaux, elle est décédée. Le premier jour, les infirmières, vu la chambre, ma chambre était là. Ça, c'est ma chambre, il y avait le mur. Là, c'était la fille, la mère des jumelles. Elles sont venues, elles m'ont demandé, est-ce que vous avez des trucs pour mettre dans la perfusion?
Nous avons besoin des tubes. J'ai dit, regardez dans le carton, moi je ne peux pas bouger. J'étais sur le lit. J'avais un carton, il y avait pas mal de médicaments. Elles ont regardé, elles ont trouvé deux tubes. Elles ont pris, elles sont allées mettre dans la perfusion de cette dame qui avait accouché des jumeaux. Une jeune fille de 20 ans. Le lendemain, son mari vient à l'hôpital. On lui dit, il faut les tubes là. Moi, j'ai entendu. Hein. Les infirmières viennent encore me demander. J'ai dit, regardez dans le carton, il n'y avait pas. J'ai dit, je vais appeler mes frères. J'appelle mes grands frères, j'ai dit, venez vite avec des médicaments, j'ai besoin de ça ici. Eux, au lieu de venir vite, ils ne sont pas venus vite. Pourquoi? Parce que la plupart, c'est des francs-maçons. Alors, la jeune fille, son mari va aller chercher qui pourra lui prêter de l'argent pour payer ces tubes-là. Il est parti. Quand il est parti, la fille, elle est morte. La fille, elle est morte. Le rat ambassadeur de France, Bertrand Cochéry. Avez-vous bien entendu ce que j'ai dit? Cette fille de 20 ans morte. Ça, c'est l'affaire de 2005 à l'hôpital. Et pendant que j'avais ma chambre, là où ce qu'on m'avait mis, la chambre là, chaque jour, 40 000 francs CFA. On voulait me mettre même dans la chambre présidentielle. J'ai refusé d'être là-bas. J'ai dit, je ne rentre pas là-bas. La chambre de présidentielle qui se trouve à l'hôpital militaire. J'ai dit non. J'étais dans une autre chambre. Maintenant, le pire, ce que je voyais, quand la porte était ouverte, vous voyez des gros rats noirs entre eux, hein, la forme du chat, mais ce sont des rats, en train de circuler dans les couloirs de l'hôpital. J'ai dit, merde. Ça, c'est ce qu'on voit au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu Bertrand Cochéry, le rat ambassadeur de France au Congo-Brazzaville de merde, ambassadeur de France de merde? Avez-vous bien entendu? Et ce Sassou-là, enfoiré de merde, bien reçu par vous, bien accueilli par vous, par la France. Vous le recevez à l'homme, vous le recevez. Vous allez le voir chez lui en Pila. Vous le recevez, et Macron le reçoit à Paris. Je ne comprends plus rien. On va continuer à suivre cette vidéo. Des francs-maçons de la Grande Loge de France de merde. On partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. La tradition, c'est de nous mettre. C'est la plus belle tradition. C'est mon petit cadeau, n'est-ce pas, que nous emmenons et pour marquer notre c'est très gentil. Et dedans, il y a beaucoup d'argent. Il y a quelques années, la Grande Loge Nationale Française a carrément loué le Palais des Festivals à Cannes pour une montée des marches inédites. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge Nationale Française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat.
Mais la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République, du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. Terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. Elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. Vous avez entendu? Et c'est ce que nous, nous défendons. C'est ce que nous, nous sommes en train de combattre. Nous défendons ceux qui sont martyrisés. Parce que les gens qui sont dans des systèmes de détournement de fonds sont les ennemis du peuple. Les gens qui tuent des vies sont les ennemis du peuple. On va réécouter. C'est pas fini, hein. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac. Il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, France-africains, appartiennent à la GNF. Tous les dictateurs. Oui, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès, qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés, dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la Scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF. C'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que, en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion, a dénoncé un système... Excusez-moi, monsieur. Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement. Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation. Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon. Quelques
quelque part dans Paris. Un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un Français. Voilà pourquoi nous, c'est d'écraser cette loge sataniste, la loge de France. C'est d'écraser les francs-maçons au Congo-Brazzaville et dans tout le reste de l'Afrique. Parce que le peuple bantou, le peuple bantou, ne mérite pas d'avoir des francs-maçons de merde sur leur sol. Et ne mérite pas d'avoir les Illuminati de merde dans notre sol. Toute l'Afrique, nous allons faire le nettoyage. On n'a pas besoin de sectes. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents, est-ce qu'il y avait cela? Je veux vous faire écouter Bertrand Cochéry, le rat ambassadeur de France de merde. Vous faire écouter Léopold II. Le discours de Léopold II. Parce que ce discours, il avait donné à toute la communauté internationale du sang de faire un travail immense en Afrique. Et c'est ce qui continue. Hein. Est-ce que vous voyez? Je vais vous le faire entendre. Écoutez. Parce que vous, vous êtes un mythomane, un psychopathe. Vous n'avez plus de cerveau à l'intérieur de votre tête. Le rat ambassadeur Bertrand Cochéry de merde. Des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres
s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Heureux ce... Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternerin au Vatican. Faites oublier aux noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres et ne les écouteront jamais. Par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint-Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme bénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu,
Minomogobo. Un instant. Donc voici. Voici ce que Léopold II a demandé aux missionnaires de laver le cerveau de l'homme noir. Ils ont lavé le cerveau de l'homme noir, faire oublier à l'homme noir, qui est le premier être humain créé par Dieu, de lui faire oublier ce que Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur, a mis en lui. La Bible. Est-ce que vous, le rat, ambassadeur de France Bertrand Cochéry, lisez-vous la Bible? Est-ce que connaissez-vous le passage psaume 23, l'Éternel est mon berger? Lisez-vous la Bible? Non, vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez des livres de détournement de fonds. Vous lisez des livres du grand chaos en Afrique. C'est ce que vous connaissez. Le rat ambassadeur Bertrand Cochéry, ambassadeur de France le maire. Le Congo-Brazzaville ne vous appartient pas. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à la France. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à Sassou de merde. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à Total de merde. Le Congo-Brazzaville n'appartient pas à Areva de merde. Total ne paye pas d'impôts. Total ne paye pas de taxes. Areva ne paye pas d'impôts. Areva ne paye pas de taxes. Ils sont à la défense. À la défense. Il y a un problème en France. Il y a un problème. Mais nous avons affaire à des entreprises mafieuses. Avez-vous connu ce feuilleton? Je vais vous le faire écouter. Foireux de merde. Le rat de France, Bertrand Cochéry de merde. Et nous reviendrons tout à l'heure sur le discours de Léopold II. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que vu dans votre tête, il n'y a plus de cerveau. Dans toute la zone,
du Congo-Brazzaville. Le pétrole, la France prenne ce qu'ils veulent et ils vont avec. Des cargos fantômes de Christelle Kiki Kaka Pipi Nguessou qui détournent le pétrole et donnent aux Chinois. Des bateaux fantômes qui viennent prélever du pétrole et ils disparaissent dans la mer. Glorifie la loi du plus fort. Glorifie la loi du plus fort. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. 8% glorifie la loi du plus fort. Il vole aux élections dont il n'a pas gagné. Le peuple n'a pas voté pour lui. On votait pour le général Moukoko. Général Moukoko, il est où? En prison. Paulin Makaya, il est où? En prison. Jean Wabi, il est où? En prison. Tous les grands vrais opposants sont où? En prison. Tous les faux opposants sont où? Prison à ciel ouvert. Ils sont dehors. Mais au fait, ils sont toujours des prisonniers de 8%, parce que Sassou les regarde avec des yeux Illuminati. Sassou les regarde. Est-ce que vous voyez? Donc la mafia de Dallas au Congo-Brazzaville, détournement de fonds, violer les femmes des gens, ça, le PCT, ils connaissent. Abuser des enfants sexuellement, ça, le PCT, ils sont forts. Parce qu'à Brazzaville, ils font venir des jeunes filles de Congo RDC. Je vais vous dire, donner les âges. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça s'arrête là. Ils les amènent à Mpila. Ils ont des rapports avec eux. Certaines, ils envoient à Oyo. Oyo qui ressemble à une boîte de sardines. Et il violente ses filles sexuellement. D'autres après qui repartent au Congo RDC avec 700, 900 ou 2000 ou 3000 dollars. La prostitution de luxe. Non, monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand Cochéry, le rat de France de mer. Écoutez ceci encore, pour rafraîchir votre mémoire. Parce que vous aussi, vous faites partie de la bande des troubadours. Vous faites partie de la bande de Sassou, le tueur des tueurs. Écoutez ça encore. Vous faites partie du club de Dallas du PCT. Oui, Dallas du PCT. Vous faites partie. Dallas du PCT. PCT, tout est toléré pour eux. Sassou envoyait des avions de chasse aller bombarder aux poules chez moi. Sassou envoyait des cobras aller crever des yeux des enfants de 6 ans, 7 ans. Oui. Il y a pas mal des images qui tournent dans le net. Est-ce que êtes-vous un humain? Monsieur le rat ambassadeur de France, Bertrand Cochéry, êtes-vous un humain ou êtes-vous un reptilien? Êtes-vous un humain ou êtes-vous un avatar? Êtes-vous un humain ou êtes-vous un gros rat? Vous êtes un reptilien, un avatar et un gros. Pour en venir, l'ambassadeur de le rat de France, vous avez écouté le discours de Léopold II. Allez les apprendre le chapelet de la Sainte Vierge Marie 10 fois ou plus. Surtout, ne leur parlez pas trop de Dieu, car ils connaissent déjà Dieu.
Mais Léopoldo était un grand démon, était un grand démoniaque, parce qu'il savait que les Africains connaissaient la Bible, connaissaient plutôt la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la Bible. Les feuilles de la Bible. Qui est dans ce business? Qui s'est fait beaucoup d'argent à partir de ça? Vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? Vincent Bolloré. Le grand troubadour, le grand voleur. Celui qui a détruit pas mal d'arbres en Amazonie pour faire des plantations de noix de palme. Et là, ils sont en train d'attaquer à fond les forêts du bassin du Congo. À l'intérieur, il y a des pygmées. Les pygmées sont pourchassés et tués. Est-ce que vous voyez? Mais on devrait se débarrasser de vous vite. La France de merde doit dégager. Et ainsi que les restes des Occidentaux, nous allons voir cas par cas qui était bien en Afrique et ceux qui n'étaient pas bien dégagés. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Parce que nous, nous sommes une génération, nous n'allons pas accepter de nous mettre à genoux et que vos dirigeants de merde puissent dire baissez vos pantalons, on baisse les pantalons, baissez vos shorts, on baisse les shorts, tournez-vous. Baissez-vous. Non. Ce que vous faites avec les dictateurs, baissez vos pantalons, baissez vos shorts, tournez-vous, et afin que vous vous passez derrière, nous nous disons non. 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 Alors, Bertrand Cochéry, ambassadeur de France de merde, roi, hein, le rat, ambassadeur de France de merde, vous avez écouté le discours de Léopold II. Léopold II, c'est cette leçon qu'il vous a donnée. Et c'est cette leçon que vous pratiquez dans toute l'Afrique. Pour les détournements de fonds. Pour les détournements des richesses des Africains. Des Africains qui n'ont rien demandé. Les Africains qui souffrent. Et vous, vous avez tout. Et les Africains n'ont rien. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Vous voyez ça là? Vert, jaune, rouge. Le drapeau du Congo, soi-disant. Je l'ai déchiré. Je l'avais déchiré en direct. Est-ce que vous voyez Bertrand Cochéry? Le rat de France. Le rat de à l'ambassade de France. Voilà. J'ai déchiré ce drapeau. Et ce drapeau avait fait tourner la tête de Sassou. Le même jour, réunion de ministres. Le lendemain, dépôt de fleurs dans les cimetières de ses parents, là où ce qu'ils font des transactions, des détournements de fonds. Parce que tous ceux qui sont enterrés là-bas, il n'y a pas des morts dans tous les tombeaux. La majorité, c'est des coffres forts d'argent. Est-ce que vous voyez? Sassou allait déposer les gerbes de fleurs. Sa tête a tourné. Il a vu le front serré. Antoinette, le visage serré, attristé. L'enfant du poule a déchiré le drapeau qui a tourné la tête de Sassou. L'enfant du poule. Le Congo n'a plus de drapeau. Bertrand Cochéry, le rat ambassadeur de France de merde. Le Congo n'a plus de drapeau. Est-ce que vous voyez? Vous savez pourquoi Sassou, il massacre aux poules? Parce que les Chinois ont découvert du coltan. Le coltan comme en RDC. Paul Kagame,
bien reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Je veux vous faire voir l'image. La honte, celui qui a envoyé le missile sur l'avion d'Abier et Mana. Celui qui a pris des machettes en direction de Paris, qui est arrivé au Rwanda et a distribué à des Tutsis qui ont coupé les Rwandais Hutus. Est-ce que vous comprenez? Avec des machettes. Non! Et il y avait l'armée française. Ils ne sont pas intervenus parce que l'ordre venait de Paris. Allô? Oui. Ok. Faites partir tous les ressortissants européens et américains et belges et tous les restes des Européens. Oui. Mais quant aux Noirs, tous les Noirs là, laissez-leur là afin qu'on les massacre. Mais monsieur le président de la France, c'est nous, nous sommes l'armée française et obéissez. C'est qui vous paye? C'est qui vous donne des commandes? C'est moi, non? Obéissez. C'est comme ça que ça marche. Et on a laissé les Noirs. Vu la le président français a dit, n'intervenez pas. Et Paul Kagame a pris les machettes avec ses frères pour massacrer leurs frères rwandais Hutu. Et la France encore, qu'est-ce qu'elle fait? Et les États-Unis, hein? Allô? Oui, le président maréchal Mobutu, nous avons une situation très grave. Au Rwanda, il y a l'avion d'Abier Imana qui a été détruit à partir d'un missile. Nous avons besoin que vous ouvrez la frontière afin que les Rwandais puissent rentrer chez vous au Congo, au Zaïre. À cette époque, ça s'appelait Zaïre. Et Mobutu dira, ok, Mobutu donne son feu vert. Mais pendant que Mobutu a donné son feu vert, c'est fini pour Mobutu. C'est la cascade, la fin du maréchal Mobutu. Parce qu'il fait rentrer des Rwandais Hutu, dont les Rwandais Tutsis vont les pourchasser jusqu'en RDC. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette transaction des génocides? Parce que derrière, il y avait immensément des minéraux que les Occidentaux voulaient avoir la main dessus. Le cobalt pour les voitures volantes. Le cobalt pour les voitures électriques. Le cobalt pour les appareils, les machines de radio, scanner pour le corps de l'être humain. Le cobalt pour les machines de bloc opératoire. Le coltan dans la technologie, toutes les technologies. Le tantal fait partie aussi de toutes les technologies que nous utilisons dans le monde. Est-ce que vous voyez, Bertrand, le rat de l'ambassade de France, Bertrand Cochéry, de merde? Parce que vous êtes une merde. Vous êtes une merde parce que vous avez donné des visas à des tueurs pour venir faire leur loi à Paris. Mais moi, maintenant, je dirais ceci à tous les combattants et résistants. Mes chers frères, n'ayez pas confiance à la police française. Ayez confiance à vous-même. Parce que dès alors que Emmanuel Macron, le nouveau Jupiter, a reçu 8% sur le sol français, ça veut dire Emmanuel Macron a légitimé tous les crimes que Sassou est en train de commettre. Emmanuel Macron fait les triples et triples doubles coups de baffe, comme ce que Hollande la pute, François Hollande, le parrain du mariage pour tous, mais mariage pour lui, nous a fait subir tout peuple congolais et tout peuple africain en train de baver à cause de la direction de l'Élysée. Donc, aujourd'hui, prenez votre destin en main. On vous attaque, attaquez ces cafards.
Montrez-leur qu'à Paris, ils ne vont pas venir faire leur loi. Et moi, le tien, je le dis bien. Un cobra qui va essayer de vouloir jouer avec moi à Paris. Monsieur cobra de merde, sachez que vous serez à terre. Sachez que vous serez à terre. Le message est compris. Le message, bien envoyé. Donc, monsieur l'ambassadeur, Bertrand Cochéry, le rat ambassadeur de merde, tout ce qui arrivera, vous serez le responsable parce que vous avez donné des visas à ces cafards, à ces rats. Oui, vous avez donné ces visas à ces cafards et à ces rats parce que vous-même, vous êtes un cafard et vous êtes un rat. Oui, oui. Alors, monsieur l'ambassadeur de France, Bertrand Cochéry, le rat de France. Vous avez entendu, Dallas, ton univers. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'univers du PCT? Détournement immense des fonds publics, les fonds du peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous faire encore écouter, après vous montrerez une vidéo sur ce qu'ils font. Glorifie la loi du plus fort. Détournement de fonds. Car Kiki, Kaka, Pipi, Nguesso, Christelle, celui que la France cherche à valider pour qu'il devienne le futur président. Mais il ne sera jamais le futur président du Congo. Glorifie la loi du plus fort. Mais on va vous montrer que nous, les résistants et les combattants, hein, mes frères combattants et moi, luthier, hein, activistes et grands résistants, nous allons vous faire voir que Kiki Kaka Nguesso, il ne sera jamais le président du Congo. Est-ce que vous voyez? Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo n'est pas un royaume. Et nous allons ramener l'État réel au Congo, l'État du respect de bien d'autrui, l'État du respect de toute vie humaine, parce que la vie n'est plus respectée au Congo. Est-ce que vous avez compris? Je vais maintenant vous faire voir le rat Bertrand Cochéry, de merde, ambassadeur de France de merde, au Congo-Brazzaville. Excusez-moi. Ferez voir.
Excusez-moi, je vais ouvrir un peu les fenêtres. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissen Bouma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'un million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, deux immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfried Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Brécétou Aubamy détient deux unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'un demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Voilà, vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Hein? Monsieur l'ambassadeur, le rat Bertrand Cochéry, avez-vous bien entendu? Est-ce que avez-vous bien ouvert vos oreilles de troubadour? Avez-vous bien entendu le rat de France de merde? Avez-vous bien entendu, oui ou non? Wilfried Nguesso. Alléluia! Alléluia! Pasteur, mais en réalité, il ne prie pas Dieu. Dieu que Dieu bantou, non. Il prie le Dieu blanc des voleurs. Est-ce que vous voyez? Il prie le Dieu blanc des voleurs. Car l'homme blanc missionnaire a été envoyé en Afrique pour laver l'intelligence de l'homme noir, comme effacer le tableau. Vous avez vu à l'école, le maître vous envoyait. Bertrand Cochéry, oui monsieur, allez essuyer le tableau. Vous vous souvenez à l'école? Hein? Donc, c'est la même stratégie. Les missionnaires sont venus en Afrique et ont lavé le cerveau de l'homme noir. Plus de repères. Et qu'est-ce que Léopold II a dit?
Dites aux Africains tout ce qu'ils ont comme fétiche d'abandonner. Les statuettes, les masques africains. Et qu'est-ce que les missionnaires ont fait? Ont volé ces statuettes, ont mis dans des caisses, direction l'Europe, direction les États-Unis. Et il y en a qui sont au Vatican. Les masques, les masques, les statuettes de nos ancêtres. Nos ancêtres sont pris en captivité dans des musées comme le Quai Bromley, le musée Jacques Chirac de merde. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il y a des statuettes de l'homme blanc? Non, il n'y a pas. L'homme blanc n'a pas de statuettes. Mais ce qu'il devrait mettre à l'intérieur, c'est quoi? Vu qu'ils aiment se comparer aux singes, aux gorilles, soi-disant qu'ils viennent de là. Mais c'est des psychopathes et des mythomanes. L'homme blanc, il vient à partir de qui? De l'homme noir. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? L'ambassadeur, le roi, le rat Bertrand Cochery de France de merde au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, à partir de la Bible, on a essuyé le cerveau de l'être humain noir. On lui a fait oublier le respect de la femme de Troy. On lui a fait oublier le respect de ce qui n'est pas à toi. Donc ne prends pas de l'argent qui n'est pas à toi. Parce que, au fait, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est l'opération. Opération, je vais vous faire écouter. Ce qui se passe en Afrique, opération c'est ça. Je vais vous le faire écouter. La loi du plus fort, Dallas. Donc, en Afrique, Paul Biya, je tousse parce que vous coupez les arbres en Afrique. Paul Biya, il fait la loi du plus fort au Cameroun. Il fait souffrir le peuple camerounais. Ils n'ont pas d'eau. Pas d'eau potable. Pas des universités. Pas de collège. Pas de lycée. Rien. Qu'est-ce qu'ils font? Détournement de fonds. La loi du plus fort. Toute l'Afrique, pareil. Ali Bongo, il n'a pas gagné aux élections, mais il est là, président au Gabon. La loi du plus fort. Dallas. Dallas, la loi du plus fort, est égale à la France-Afrique de